14e jour, on vient de se louper une dorade. C'est dommage, elle a décroché un peu du bateau. Et là on mange spaghetti carbonara. À l'eau de mer. Ah oui, c'est ça. Oui, des pâtes. C'est des pâtes spéciales océan. Bon app bébé. Mais toi, tu vas voir parce que tu coloris. À mi-parcours, on s'aperçoit que, hop, on est poursuivi là, par un bateau à voile. On a essayé de les joindre à la VHF portative, ils répondent pas. J'essaierai à la fixer tout à l'heure. Sisu, bateau à voile. Il est 4 nœuds. 4 nœuds, ouais, bon. À peu près comme nous, la même vitesse quoi. Regardez Diogo, la Barbade. We came from Canaries. Ah, ils arrivent des Canaries. Oui. Le relevé est fait pour aujourd'hui. C'est la mission quotidienne à 13h. Ouais, il nous tarde parce qu'après on va aller placer le point. Voilà, là du coup je remets les compteurs à zéro. La navigation aujourd'hui c'est facile. Vous avez un téléphone portable. C'est vrai que depuis le début on fait qu'avec ça. C'est bon, c'est relevé? Voilà, c'est relevé. Tout à l'heure, on ira placer le point. C'est productif cet après-midi. Une qui peint et le capitaine qui fait le montage. Allez, c'est la corvée de vaisselle. C'est qui fait la vaisselle? Toujours moi le lave-vaisselle. Toi, tu laves. Moi, j'essuie. Je suis au plus près du contact de l'eau. C'est ça. Bon, allez. Ça nous économise l'eau de la cuve. Ouais, surtout qu'on a encore 15 jours à tirer de naves. Et Elena, tu vas m'aider à sécher la vaisselle? Voilà ce qu'on pêche depuis 2 ans là. Alors, je crois que c'est les sargasses. Dans le bon sens. Mets-toi au vent. Cherche le vent. Voilà. Hop, tu l'avais trouvé, mais tu l'as trouvé. Cherche-le, regarde, tu l'avais trouvé. Hop là. Tiens. Là, tu l'as trouvé, regarde. Voilà. Allez, vas-y, cherche-le, là. Avance-toi. Incline-le bien pour le chercher. Bon, ça y est, on a repris de l'allure. Hein. Là ce soir, on est entre 6 et 7 nœuds. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça? Ça te fait plaisir d'avoir une allure à Dimoka? Dimoka, on va pas exagérer quand même, mais ça fait plaisir d'avoir une allure. Parce que le dernier temps, on n'avait pas d'allure. Hein. Non. Non, il n'y avait pas d'allure. On pataugeait. On se traînait. Ça le faire long. Se traîner. Se traîner. Aujourd'hui c'est un océan miroir, voilà. Il n'y a même pas la moindre brise. L'eau n'est même pas... voilà, c'est un miroir, avec des algues partout. C'est en train de se boucher là-bas, on voit la visibilité commence à être réduite. Le dernier jour de l'année, sans vent. Bon, la boulangerie vient de passer. Voilà les nouveaux petits pains. Avec le pâté. C'est l'apéro pour le réveillon. Il n'y a plus de foie gras. Ah, Elena? Yes! Quoi tu fais? Waouh! Bon allez, bonne réveillon hein. Et là moi je regarde la météo qui fait que bouger, de la pétole. Le réveillon de Noël on l'a fait au moteur et le réveillon de la Saint-Sylvestre au moteur. Parce que c'est la pire pétole qu'on ait jusqu'à ménage. Voilà. Et devant c'est un peu bouché, on voit un peu le coucher de soleil au fond mais bon, rien du tout. On s'attend peut-être à avoir des orages cette nuit. Bon allez, sur ce... Là, dans la... Voilà. Il y a une petite Cuba. Et toi? Oh, une espagnole. Je sais pas ce qu'il y avait. Là, dans le... Ici. Il est 11h30. C'est moi qui suis en quart et Romain dort dehors parce qu'il fait tellement chaud ce soir. Qu'à l'intérieur c'est intenable. On traverse actuellement une zone de grosse pétole, mer d'huile et pas un brin de vent. Premier lever de soleil de l'année 2021. Pour la nouvelle année, on a un petit peu de vent. Là, ça nous fait avancer avec des pointes à 7 nœuds. C'est déjà bien. On est toujours entouré de ce fléau, là, les algues des sargasses. C'est hallucinant tout ce qu'il y a. On peut même pas pêcher. Le temps est gris. Mais il fait lourd et humide. Aujourd'hui, c'est le repas de la nouvelle année. La nouvelle année. On est le premier repas 2021. Ça y est. Et on fait à peu près le même repas que l'autre repas. C'était voilà. On avait pris ça en confit. Donc bon appétit à tous. Elena, bon appétit. C'est bon? Bonne année. Et bonne année. Ah! Comment tu dis toi? Ah! Vas-y, redis-le. Ah, une fois! Bonne année? Bonne année! Bon, aujourd'hui, on fait la bouteille à la mer. Voilà, on a repris une bouteille de rhum qu'on avait de Badère. Elle était jolie à l'intérieur, il y a comme un petit voilier. Donc là, on est en train de mettre la carte. Notre carte de visite. Allez, vas-y, Elena, appuie. Appuie, 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 appuie. Accord. 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 Voilà. Hop. Maintenant, on va mettre nos coordonnées GPS. Et on va faire un petit mot. Voilà. Et ensuite, on la mettra à la mer. On va voir. On verra dans combien de temps quelqu'un nous recontacte ou pas. Allez. La bouteille est prête. Donc on a mis un dessin d'Elena, de petits mots, notre carte de visite. Voilà, on l'a bien bouchée. Et on attend de voir combien de temps, si quelqu'un un jour nous contacte, on verra. J'espère. Allez, on va la jeter. Allez. Toi tu la jettes à l'eau ? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, tu mets par-dessus là. Allez, la bouteille à la mer. Bon, cet après-midi, c'est quoi? Atelier couture. Atelier couture. Moi, j'ai fait des petits trucs pour la barre à eau, là. Ça, c'est le centre. Proche, petit truc. Elena est à deux doigts de foutre un bordel complet. Non. Oh, je te connais pas, hein? Waouh, mais t'habilles en quoi, là? Papa. T'habilles en quoi? Papa. C'est sirène, ça? Non, c'est des... Waouh. Papa, ouais. Tu vois que j'ai un... Ouais. Non, laisse-la droite. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Bonne année, c'est tout. Bonne année, c'est tout. Bonne année, c'est tout. Il est de temps qu'on arrive. Ouais. Voilà, encore une fois une super journée. Il pleut, des trombes d'eau. Je sais pas, ça commence à m'inquiéter les Antilles un peu là. Il fait super chaud aux Antilles, hein? C'est chouette, hein? Il y a du soleil, on se régale. Le bateau est presque à plat. Bonne année. Et bonne année. T'as la bonne humeur, toi? On était là pour dire bonne année. Un temps magnifique vers les Antilles, superbe, tout est trempé, on a tout rentré, mais on a un peu de vent quand même. Bon, on est le 2 janvier, en route vers les Caraïbes. C'est sûr qu'on s'est pas trompé de route, on va pas vers le nord là. Alors, on vient de se faire un thé très chaud. Un thé spécial, elle l'a dit. Un thé spécial. Un thé spécial. Voilà. On a remonté la tente qu'on a fait faire avant de partir à Las Palmas chez Myriam et Fred, qui nous protège de la pluie et du vent. et c'est vraiment top. C'est clair. Alors on est dans notre cabane en plein océan. Trop bien. L'océan est complètement désordonné. Et encore ça s'est calmé un petit peu, le vent s'est un petit peu calmé. Parce que tout à l'heure on faisait quand même des pointes presque jusqu'à 9 nœuds. Donc voilà, on goûte sous la chaleur des tropiques. C'est la chaleur du thé plutôt. Non. Je sais pas si on va les avoir un jour mais... J'ai pas pris les madames. D'abord je filme l'eau qui se remplit, on va remplir la réserve. Yes. Bonne année à tous. Voilà notre véranda en plein océan. Là on est super bien abrité. Je laisse ouvert un côté à celui qui n'est pas au vent. Comme ça, ça me permet de revenir rapidement devant. Bon là on a encore allumé le moteur parce que bon on est encore dans une pétole. Mais normalement je viens de télécharger les fichiers GRIB. Bon. Après ça devrait aller, d'ici à 3h du matin, 4h du matin, ça devrait reprendre et après pour un certain temps. Donc on croise les doigts là, parce que ça devient sacrément pénible. Voilà, des graines partout, des nuages, de la pluie, toute la journée, ça s'est jamais arrêté. C'est la misère les Antilles. T'es bien dans ta véranda? On s'aperçoit même plus qu'on est dehors. J'ai pris la chronique quotidienne. Ah. Ah, on a bien récupéré là. Il va falloir le verser. En tout cas, on a une houle au portant et on a un vent au portant aujourd'hui. On arrive à faire des pointes à presque à 8 nœuds. On a mis les voiles en ciseaux. Hop, on a toujours 3 ris de la GV, je laisse toujours 3 ris. Voilà, comme ça on force pas non plus sur le matos, ça sert à rien. À 8 nœuds on va pas aller plus vite. Toujours un petit temps grisonnant. Hein. Et là on est à un cap où droit devant c'est la Barbade. Voilà, il nous reste... 950 000 nautiques environ. Et là, ces oiseaux qui chassent depuis le début de la matinée les poissons volants. Et ils ont voulu même nous choper notre leurre derrière, là, ils tournent autour. Alors on est obligé de les chasser. On va essayer d'attraper un petit thon aujourd'hui, ça serait bien. Une petite dorade.